chaises de la salle à manger viennent d'arriver. Je suis trop contente. Parce que j'avais ça comme chaise. Je suis trop contente. Elles sont jolies avec ma table. On a reçu aussi normalement ce qui est les chevets de l'appartement. Mais ils sont trop mal faits. Donc, je suis trop contente de mes chaises par contre. Regardez comment ça fait beau. Je suis trop contente de mon achat, wesh. J'ai attendu longtemps, j'ai galéré à les trouver. Mais là, je suis trop contente. Bon, les filles, aujourd'hui, j'avais envie de mettre une paire de lentilles. De chez Maj d'ailleurs. Je vais la garder. Donc voilà, là, c'est mon œil marron. Et là, c'est mon œil avec la lentille. Attendez. Hop, on va zoomer. Vous avez vu, elles sont complètement naturelles. Genre, pas cramées du tout. Ça fait un vert menthe. Celle-là, c'est la référence Peppermint. Et c'est pas cramé. Du tout. Attendez, hop. C'est une dinguerie quand même. J'aime trop. Sans lentilles. Avec. J'aime trop. Elles sont très, très naturelles. Les peppermint, je pense que vraiment, c'est mes préférées chez Maj d'ailleurs. J'en ai commandé une nouvelle couleur que je n'avais pas. Tatiana, excusez-moi, bleu. Je vais les tester tout à l'heure, mais moi, celle d'aujourd'hui, ça va être les peppermint. Et franchement, on les sent même pas dans l'œil. Elles durent un an. Elles durent un an, donc c'est des lentilles annuelles. Franchement, elles sont hyper fines, hyper confortables. Incroyable. Je les aime trop. Je les aime beaucoup trop. Je les sens même pas dans mon œil. Et vous avez vu, elles sont complètement naturelles. Genre, c'est pas cramé que t'as des lentilles. Bon, à part si tu connais la personne et qu'à la base, elle a les yeux marrons. Mais vraiment, genre, tu me croises dans la rue, tu te dis pas, elle a des lentilles. J'aime trop. Elles sont trop bien, leurs lentilles, vraiment. Vraiment qualité de lentilles au top que j'ai pu trouver en vendu en France. Incroyable. Parce qu'avant, on prenait des lentilles, il y avait des contours, c'était trop cramé. Là, en fait, elle n'a pas du tout de contour. Donc, du coup... Donc, ça, c'est la ref Peppermint. Elle fait trop naturelle. C'est une dinguerie. J'ai gardé celle-là aujourd'hui. C'est un genre de vermont incroyable. Bon, les filles, je vous montrerai une autre référence ce soir, si ça vous intéresse. Que j'ai une deuxième référence que je vous montrerai ce soir, celle-ci, vu que là je vais sortir. Donc ma petite tenue du jour, ma petite gueule du jour. Puis voilà, là je vais me préparer en bombe, je dois aller rejoindre Amina et son mari, direction Abu Dhabi. On va aller voir un ami à nous. Au final, je devais aller au combat de boxe aujourd'hui, mais je n'irai pas parce que j'ai été invitée par un pote à nous qui va faire à manger ce soir normalement, en espérant qu'il ne devine pas et qu'il va pas chercher un traiteur. Et on va tous manger entre amis et tout. Ça va être une ambiance très chill. Ne vous inquiétez pas, je vais vous snapper. Donc là, je vais vite me préparer. Prendre quelques affaires de rechange et tout. Et puis, on se dit à tout de suite. Donc, tenue du jour. Petit bas de chez Bershka. Haut de chez Bershka. Petite paire de Air Force. Petit sac LV. Ma petite valise. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop contente de la taille que j'ai acquérie. Bon, on est sur la route depuis tout à l'heure. Nous, on n'a pas le droit de parler. Il y en a qui bossent dans la voiture. On conduit une heure. Regarde, t'as vu, les gens viennent dans ton intimité, t'es fatigué, t'es... Il te filme, t'es même pas... J'ai la pâteuse et... Non, on s'en fout là, arrête de trouver des excuses. Là, tu nous fais venir jusqu'à Abu Dhabi, tu nous dis t'inquiète, je vais vous faire à dîner. Et au final, c'est des pâtes au beurre. Mais j'ai une de ces surprises. Hey, j'ai une bête de surprise pour tout à l'heure. Eh, viens, on va au four. Oh, viens, on va en cuisine, on va faire à manger, s'il te plaît. Parce que personne ne va manger des pâtes ce soir. Tu t'es pris pour qui là? Eh, moi, Malik, je dis des pâtes au beurre. T'as la pâte, vous connaissez? C'est le poteau, t'as la pâte.
vrai dîner. Sur la vie de ma mère. Et dès qu'on est arrivé, il a dit ah, c'est bon, vous êtes arrivé, on peut aller à la cuisine. Nous fous pas le chômage. Eh, mais pâtes à la crème, c'est un truc. Ils sont pas trop mignons, ils sont accordés. Machallah, je vous aime trop. Je vous aime trop. Ils sont trop choux. Le pire, c'est qu'ils n'avaient même pas remarqué. Je vous donne la voiture. Je dis les deux là, ils sont habillés de la même manière. You copy me, right? Il y a que nous, on est des grandes gamines. Si on joue pas, on meurt. Je peux plus de nous. Mais même lui aussi, lui, il a un truc de game chez lui. Mais je... Il a esquivé. Pourquoi t'as la haine? Non, mais haine, ça, on va en prendre deux. Hein. Bah ça, oui, deux, trois. T'enquête si j'ai pas. T'enquête. Si j'ai plus de temps, c'est le moment des courses. En fait, on essaye de faire un repas bon, mais rapide. Lui, il a esquivé, hein. Il a esquivé son gratin. Yes. Regarde là, t'as vu comme ils ont mis les tomates après, ouais, les oignons comme ça. Je sens que ça va être trop marrant ce moment. Allez, alors, cuisine. Bouge pas, jaune. Ok, rouge. Parce que j'ai pris un oignon. Ok, prends rouge. Voilà, t'as vu, tu coupes en, tu laisses un peu. Qui voulait pas être snappé, bah, sur la vie de mère, tu vas être pire que public. Lève-toi, faut couper des patates. Faut mettre tout dans le four. Et après, les côtelettes, c'est deux spies. Okay. Mais au moins, on coupe les patates, on assaisonne. Donnez-moi 15 minutes, parce qu'on a marché pour aller au supermarché. Mm-hmm. C'est un truc de ouf de marcher ici. Vous voyez comment les femmes, c'est important. Malik, on nous, on pas, rentre on direct, tac, tac. Ta faim, mange ta main, garde-le pour demain. Elle est pas mal, celle-là. Là, Amina, je comprends. Mo, il est rentré direct, cuisine. Ah, elle là, elle sait bien choisir. Voilà. Je vais te conseiller maintenant. Voilà, elle sait bien choisir elle. Mo, good. Vas-y, regarde, il est venu ranger les glaces. Allez, Komi, you, burrata et ça pour faire la salade. Qu'est-ce qu'on va faire au frigo? Il y a les pommes de terre. Hein. Oui, j'ai vu. T'inquiète, il y a que de la boisson. Ah, c'est pour ça qu'on est parti faire les courses. Vous avez vu la différence entre la vie d'un mec et des femmes? Et j'habite toute seule, mon frigo il est plein de bouffe. Moi, il y a du lait pour faire les cafés. Mmh. Du lait pour faire des cafés, de l'eau gazeuse et des boissons. Guys, you do the salad dans le lit. Bon, moi je vais faire la sauce aux champignons. Là, tu m'as régalé. Tu veux, toi, je vais faire régaler. Voilà, bah, plus de surprise ce soir. Ma canyon, en fait, je suis en train de faire à moi, j'ai un sang. Lys, moi je dépression, il me fait ce qu'il, je suis mort. Regarde là, elle s'est pris pour Masterchef. Ah non, Amina, moi je parle plus. Amina va nous frapper. Ah, je me suis coupé le gant. Je dois arrêter. Il a dit on m'appelle dans le salon tout à l'heure. Non. Ah là. C'est pour ça que quand je serai riche, j'aurai un chef. Oh non, t'es pas prête. Il va me faire à manger. Bah, va trouver le bon chef. Hein. T'inquiète pas. Ça, c'est... Il a déjà le... Je vais le voler au taf, t'inquiète. Regarde l'autre comment elle coupe des oignons, voilà. Attends, elle me parle de l'oignon. Regarde, elle est. Oh ouais. Mais là, c'est pour moi, c'est pour les champignons, tu veux quoi? Bah, c'est ça. Ah. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ah, oui, c'est caché, champignons. Je la mets. Mais par contre, regardez comment elle nous arnaque, elle est juste en train d'enlever les côtelettes du plateau. T'as du coup? Elle nous arnaque, elle nous envoie couper et tout. Et elle enlève juste les côtelettes. Après, tu les aplatis. Faut les taper. Ok. Taper dans l'os que je me mette le truc. Mais non, je te jure, faut les taper comme ça. Ah, oh, je suis fatigué. L'autre, vas-y, continue.
T'es pas fatigué, moi? It's fine. I will clean it later. C'est quoi la différence entre les femmes à la maison et la cour? Elle parle pas très bien. Je vais taper les vôtres. C'est bon? C'est bon? Done? Oh, ouais, we're tired, hein? Regarde-moi, non! What is this? Qu'est-ce qu'il fait? De salade, you didn't make the salade. Yeah, because we did the potato. The salad is the last one. Ouais, salad is the last one. Faut d'abord. Bon, moi je m'occupe de la sauce aux champignons. Donc on fait revenir un oignon, sel, poivre, beurre. Caramélisé. Non, les tomates, faut les mettre en dernier, vu que tout en même temps, tu vas mettre. Bah, je sais pas comment tu voulais les mettre. Sarah, tout en même temps. De quoi? Les tomates, tu les mets à la fin, vers la fin. Tu mets d'abord les patates et les oignons, et ensuite tu mets les tomates. Non, tu mets les tomates avec. Tu coupes tout en deux. Putain, tu peux pas être d'accord avec moi. C'est l'autre. Ta gueule. Qui t'a dit de repasser par la cuisine? Voilà, j'étais trop bien. Là, c'est ma coupe aux oignons, guys. Ah non, dites pasta one time pour m'amener. Oh, oui. Remember what pasta I did last time? It was a good answer, right? Bro, you cannot say it's not good. Good or not? Very good, right? Si tu dis pas bon, tu vas le virer. I cannot say it's not good anyway. No, you can say, you can say. Even him, he was surprised. Hein? When you see the pasta, you say, oh, Malik, you can cook. Right, remember? Et même il est mort de rire. Voilà, il m'a fait. Arrêtez, j'ai appelé mon neveu là tout de suite. Voilà, même il est mort de rire. Il dit oui, oui, depuis tard, il rigole, la poubelle, il rigole. Voilà. Un jour, il faut vraiment que je dépasse les pâtes parce que vous ne respectez pas mes pâtes. Vous, il faut grosser les pâtes de pâte au beurre. Alors, vous mangez les couper en deux? Non, ok, les coupes en deux. Vous voulez les couper en deux? Les coupes en deux. C'est pareil. Par contre, là, il ne le coupait pas. Hein. Il coupait juste la tête et met-le en projet, en tête. Hein. Et tu mets de l'huile dessus. Ah, c'est pour toi, ça? Et vous, tu mets de la écorce ici aussi? J'ai mis. Oh. On voit pas. Et je rajoute. Waouh, Malik! Waouh! Il y a que lui qui peut nous trouver des jeux comme ça. C'est des bons jeux. Je sais pas jouer. En fait, eux deux, ils sont contre nous deux. Mais sauf que c'est lui qui a acheté le jeu, donc logiquement, il y joue. Sauf qu'on n'a jamais joué de notre vie. Attention. Je sais pas jouer, moi. Oh, non, raté, va t'acheter des lunettes. Raté, va t'acheter des lunettes. La rageuse. C'est à qui? À toi. Oh là là. Tu joues comme ça? Tiens. Il y a des scènes toujours en cri. Ok. Oh oui! C'est trop la rage. Tu disais? Y arrive pas? Close. Moi, côtelette grillée, il n'y a pas mieux. J'aime trop la vue. On va se régaler avec une incroyable vue. Machallah. Donc si c'est pas bon, c'est quand même, c'est Malik. C'est bon, c'est nous. Ça va jamais être pas bon. Voilà, je vous explique qu'ils sont tous en train de faire semblant de couper des côtelettes avec la fourchette. C'est chaud parce que c'est chaud. Vu la gratte de mytho. Voilà, c'est parce que c'est chaud, sinon on mange à la main un pouce. Quelle bonne cuisine, Malik. Merci, Malik, d'avoir cuisiné. Malik, t'es le meilleur. Si je pouvais, je te marierais. Et ça, c'est bon. Je t'en prie, je t'en prie, mon ami. Incroyable. Malik, t'es trop. Trop bon. Je vais voir si les oignons, les petits oignons comme ça, c'était une bonne idée avec les patates. J'en suis sûr que c'est une bonne idée. Faut pas les manger. Non, hein? That's the idea. Without sugar, it wouldn't have tasted the same.
Without you, it wouldn't have tasted the same. Je te jure, les patates, hey, t'aimes pas les oignons comme ça? Incroyable. Je mange pas. C'est bon, hein? Incroyable. Merci. Merci les amis pour ce festin délicieux. Je vous donnerai la recette, Inch'Allah. And the tomato. Et comme d'hab, la seule. Lui doit manger une cuillère, lui doit manger une cuillère. Ah oui, parce que vous avez perdu un gage. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, Sarah et moi, on s'est battu au jeu. Apparemment, tu étais le meilleur. Je suis leur en vrai golf. Dis voilà, moi, tu prends de la rissa. Voilà. Eh, ça marche de jouer à des gages. Hein. Il a tellement mangé de rissa avec nous. Maintenant, il mange épicé. Tu sais que l'année dernière, elle lui a fait manger du piment cayenne. Oh, I took her. You want it back or you want it to the end? No, give me it. Look. No, do this. You're going to eat Arisa. Yeah, exactly. Incroyable. No, this one. Vous allez prendre la queue, non? Elle dit quoi? C'est talabat? Yeah. Ok, bismillah, with Arisa. Oh.